Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la série du samedi matin. Donc, on continue en vidéo. Du coup, on se retrouve tout de suite après l'intro pour finir ce qu'on a commencé. Alors, pour le coup, les amis, Tracteur, je trouve vraiment pas assez fort. Bon, je pense que c'est comme ça. Alors, vous avez, je compte sur vous pour me dire dans les commentaires, les amis, comment vous trouvez les différents volumes. Hein, parce que, comme vous le savez depuis quelques épisodes, je suis en train de faire différents réglages au niveau sonore hein, pour augmenter la qualité sonore, pour avoir une meilleure qualité sonore. Donc, du coup, les amis, je compte sur vous pour que vous me disiez. Merde. Pour que vous me disiez comment, qu'est-ce que vous en pensez, s'il faut que je modifie quelques trucs. Parce que c'est selon vos ressentis que je vais pouvoir m'améliorer au maximum. Donc du coup, voilà où. Donc du coup, la dernière fois, on avait commencé à faire du foin. Enfin, on avait fané. On avait comme on. Là, on va finir de d'endainer tout ça propre comme il faut. Et puis après, par la suite, on va aller chercher la presse pour presser tout ça et aller vendre tout simplement. Donc j'espère que pour vous ça va très bien. Moi, pour vous, ça va très bien. Du coup, ce soir, normalement, il n'y a peut-être pas de live. Je sais pas, je vais peut-être vous tenir au courant sur Instagram et sur Discord. Hein, donc c'est vrai que pour le coup, je vais essayer d'être plus actif sur Instagram parce que c'est vrai que Instagram c'est bien, mais j'ai commencé à mettre plusieurs petites choses en plus sur Insta. Mais voilà, je suis pas actif plus que ça. Mais bon, je vais essayer d'être plus actif sur Instagram parce que voilà, c'est un peu intéressant. Je pourrais vous faire quelques petits trucs sympatoches sur Instagram. En plus, bien évidemment, de ce qu'il y a sur la chaîne YouTube. Donc, pour le coup, voilà, en espérant que ça nous ramène peut-être un petit peu plus de monde au fur et à mesure du temps que le compte Instagram de la chaîne soit de plus en plus visible par vous, les amis, tout simplement par vous. Donc, du coup, voilà ce qu'elle était d'ancienne. Donc, j'ai peut-être une bonne nouvelle à l'égard de la connexion de la chaîne. À première vue, on a des tracés un peu partout par terre dans la rue. Et j'ai vu un marquage avec marqué fibre dessus. Et pour le coup, je me demande si je vais pas avoir la fibre. Et franchement, si j'ai la fibre, ça sera juste énorme. Parce que si j'ai la fibre, bah, naturellement, j'aurai une meilleure connexion. Donc en live. Je pourrais vous mettre enfin vous remettre de la 1080 et voire même déjà je pourrais déjà oui vous mettre de la 1080 et en plus de ça ou pas là et en plus de ça je vais pouvoir aussi déjà avoir une latence encore plus faible que qu'il est actuellement. Donc là ça sera vraiment du direct. Donc à partir du moment où vous posterez votre message, je le verrai quasiment instantanément. Et pour le coup, bah déjà, ça sera, je trouve que ça va être mieux parce que quand vous me posez une question, ça vous évitera d'attendre un certain temps, comme ça peut arriver déjà par le passé où j'ai eu des latences pire qu'affreuses, où ça a même carrément dépassé les 5 minutes de latence. Donc franchement, c'est vrai que ça peut être très usant. Donc du coup, voilà, on va reculer un peu pour sortir parce que là, je ne garantis pas la sortie. Voilà, allez, hop. Donc du coup, on va retourner au magasin, balancer ça. C'est pas le bon bouton, j'ai. Oula. On va aller au magasin déposer l'endener pour récupérer la presse. Donc ce qui avec cette mission là c'est des petits picabots qui sont à chier. Il y en a 4, donc je peux en prendre que 4 affilés, ça va être trop long. Donc du coup ce que je vais faire, j'irai prendre le massé avec la benne comme la dernière fois pour les foutre directement dans la benne. Et comme ça on gagnera un peu de temps. Donc du coup voilà, j'ai même pas pensé à vous les amis, j'ai même pas pensé à vos commentaires. Donc évidemment bah, je ferai un petit retour Windows pour vous lire vos petits commentaires. Donc du coup voilà, après je suis un peu désolé aussi dans ce moment. Donc les deux dernières vidéos, le son était vraiment horrible. Donc c'est vrai que j'étais en cours de réglage. Faut savoir que pour produire un bon son, déjà il faut avoir la pratique. Et en plus de ça, il faut savoir gérer tout ce qui est equalizer, etc. Je sais m'en servir, mais voilà, j'ai encore un peu de mal avec ça. Donc du coup, ça me demande beaucoup de temps. Et aussi, il me faut aussi vos avis. Parce que si pour moi le son il paraît bien donc, à la sortie de mon casque, il faut savoir que sur ma table de mixage, le son de Windows arrive sur ma table de mixage ainsi que mon micro séparément. Mais après, à la sortie, ça repart sur Windows pour être capté avec OBS.
Mais le petit souci, c'est que moi, le retour que j'ai dans mon casque, en fait, vous n'avez pas systématiquement forcément, enfin, vous n'avez pas systématiquement le même, exactement le même son, parce que moi, de ma table de mixage à mon oreille, le micro, il n'y a pas de filtre anti-bruit, donc il y a des bruits que que moi je vais entendre, mais que vous n'allez pas forcément entendre. Donc du coup voilà, après c'est léger hein, non plus, hein. Si par exemple comme Green vient de poser son briquet, là par exemple je suis pas sûr, mais il me semble que normalement vous l'avez entendu. Et voilà, après c'est surtout comme vous pouvez avoir, comme vous avez pu avoir sur un ou deux épisodes, des petits grésillements pendant la vidéo, des petits grésillements qui étaient un peu nuisibles. Beaucoup, normalement j'ai réussi à m'en débarrasser convenablement. J'ai bien dit normalement, il n'y en a plus du tout. Mais par contre, voilà, c'est ma voix là. Elle a un petit peu changé comparé à avant, donc moi je la trouve bien comme ça. Après, je peux augmenter selon vos désirs. Je peux, si vous me dites que j'ai trop d'aigus, je peux augmenter légèrement les graves, diminuer les aigus. Je peux évidemment enfin, après, c'est un peu technique. Je peux régulariser ma voix selon votre oreille, en fait, si vous voulez, si vous êtes trop nombreux à me dire, voilà, ta voix est trop grave, ça nous pète les oreilles, c'est pas audible, bah voilà, bah, pour vous, je vais descendre les graves, quoi. Je vais descendre les graves, je vais monter un petit peu les aigus, bon, pas non plus que ça me fasse une voix chelou, du style, et voilà, quoi. Voilà, ça, c'est un peu con, quoi. Ça serait un peu con, et puis, ouais, c'est pas non plus. De temps en temps, ça peut être marrant de faire des petits épisodes comme ça, un peu de délire, où je vais trafiquer ma voix, je vais avoir une voix complètement chelou, du début à la fin de la vidéo. Ou comme par exemple sur l'épisode de lundi, vous avez eu un épisode un petit peu spécial, un petit peu comique entre guillemets, parce que de base c'était pas prévu. De base j'avais eu un gros problème avec mon OBS, il ne voulait absolument plus, je dis bien plus, capter le son du jeu. Donc du coup c'était silence radio pour le jeu, donc vous avez aucun son, rien du tout. Donc c'est pour ça que j'ai mis une bande son à la place. Merde. C'est pour ça que j'ai mis une bande son à la place, avec un léger accéléré qui a fait que ça a modifié ma voix, mais assez pour que ça soit quand même compréhensible de ce que je dis. Donc voilà, c'est ce qui a donné l'effet, en fait, c'est ce qui a donné l'effet de voix d'hélium. C'est vrai que j'ai trouvé ça assez sympathique, je me suis quand même un petit peu amusé à faire ce montage, mais bah, a priori ça a eu l'effet escompté, ça a eu un bon. Ah merde. Ça a eu l'effet escompté, donc pour le coup voilà, c'est pour ça que j'ai mis en titre la magie du montage, je crois. C'est ça que j'ai mis en titre, la magie du montage, parce que voilà, ça m'a permis de pas niquer la vidéo, tout simplement, de pas avoir eu à la recommencer. Donc voilà, c'est pour ça que bah, comme vous avez pu voir auparavant, je faisais des montages de base hein, je mettais juste l'intro, je mettais juste l'intro avec une transition, l'intro de fin avec une transition, et puis basta, on n'en parlait plus. Alors que là, bah là, je vais plus faire de modifications, je vais plus gérer dans les sons, je vais faire plusieurs trucs, voilà, qui peuvent être intéressants. Donc du coup, voilà. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me suivre aussi sur le Instagram, les amis, parce que comme je vous ai dit en début de la vidéo, j'ai l'intention d'être un peu plus actif dessus. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. Donc normalement, le lien, il vous envoie directement sur la page Instagram. Vous avez aussi la page Facebook. Vous avez aussi bah, le Discord, naturellement, le lien utile, parce que c'est vrai qu'on approche de Noël. C'est vrai qu'on approche de Noël, donc pour le coup. Bah, pour le coup, ça va être le moment des cadeaux, ça va être le moment de choisir les cadeaux pour ses enfants ou pour un ami. Voilà, il y a différentes raisons de faire des cadeaux, hein. De toute façon, même tout au long de l'année, on peut faire des cadeaux, voilà, mais bon, vu qu'on arrive en période de fin d'année, donc voilà, vous avez mon lien Instant Gaming qui est à disposition dans la description aussi, n'hésitez pas à y aller, vous avez des promotions jusqu'à moins 80% sur tous les jeux disponibles. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, et vous avez aussi une option cadeau, donc du coup il vous faudra l'adresse mail de la personne choisie pour lui envoyer, tout simplement pour que Instant Gaming lui envoie la clé, et vous pouvez aussi choisir différentes plateformes de téléchargement comme Steam par exemple, parce que c'est pas parce que vous achetez la clé sur Instant Gaming que vous serez forcé de télécharger le jeu sur Instant Gaming, bien sûr que non.
c'est pas le cas, c'est vous pouvez choisir après vous choisissez en fait quand vous prenez un jeu, avant de prendre le jeu, vous choisissez la plateforme de téléchargement que vous souhaitez. Comme ça, une fois que vous avez acheté votre clé, vous avez juste à aller sur la plateforme et puis télécharger, tout simplement télécharger le jeu, l'installer et puis vous amuser tout simplement. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je le répéterai jamais assez. Si je vous parle de ça, c'est que voilà, j'ai l'affiliation Instant Gaming. Donc pour ceux qui connaissent, voilà, j'ai pas besoin de vous le dire. Mais pour ceux qui connaissent pas, je vais vous le dire quand même. C'est tout simplement parce que je touche 3% sur 3% sur le prix du jeu, donc le prix d'achat. Donc s'il a 10 euros, je vais toucher, voilà, je vous laisse faire le calcul parce que là de tête c'est pas la peine. Je suis nul en maths, donc je vais éviter. Je risque de dire une connerie. Donc du coup voilà, moi ça me permet aussi, ça vous permet de me soutenir en partie, donc de façon que sur les 3%, moi je vais toucher quelques centimes naturellement, et sur les quelques centimes, ça va me permettre tout simplement d'acheter un nouveau jeu pour la chaîne, tout simplement parce qu'avec les sous que je touche avec Instant Gaming, je le garde exclusivement pour l'achat de nouveaux jeux tout simplement. Donc par exemple American Truck. Le jeu, non, attends, non, c'est pas American Truck, c'est Project Cars. J'ai acheté le jeu Project Cars, donc j'ai payé la plus grosse partie de ma poche, bien sûr. Mais il y a une petite partie, donc je crois que ça s'élevait à 5 euros, je crois, que j'ai payé grâce à vous, les amis, que je n'ai pas. Pour le coup, ça m'a fait une réduction, donc au lieu de le payer un certain prix, ça m'a permis de l'avoir encore moins cher. Donc pour le coup, si j'ai moins cher, automatiquement, les sous que je vais pas mettre dedans, je vais pouvoir les mettre ailleurs. Et ça, pour le coup, ça me facilite énormément la vie. Donc du coup, voilà. Donc pour le coup, les amis, pendant que je presse, je vais juste faire un retour Windows vite fait, les amis, pour histoire de lire vos petits commentaires quand même, parce que j'ai remarqué que vous appréciez particulièrement ça. Je vais juste pas me planter de vidéo. Donc on a 8 commentaires la semaine dernière. Hop. Donc voilà, c'est bon, je suis revenu en jeu, vous en faites pas. Normalement, c'est normal que vous avez plus de son de jeu. C'est tout à fait normal que vous ayez plus de son de jeu. Merde, vous avez plus de son de jeu quand je suis en retour Windows, c'est comme ça. Donc du coup, voilà. Donc on va commencer. J'ai que 4 commentaires, donc ça va aller très très vite. Hein. Du coup, je vais commencer par Chelsea. Chelsea qui m'a fait salut, plus un like comme d'habitude. Merci à toi, Chelsea, ça fait super super plaisir. Franchement, vos petits commentaires, même que ça soit voilà, c'est régulier, hein, des petits commentaires comme ça, c'est très régulier. Ça me fait toujours autant plaisir parce que voilà, ça. Merde. Parce que ça me montre tout simplement que le travail que je fais, je le fais pas pour rien. Donc, du coup, ça me fait énormément plaisir. Et en plus, le fait que c'est vrai que j'ai certains d'entre vous qui me suivent aussi sur Facebook. Ça me permet aussi, certains m'ont demandé en ami, donc je les ai acceptés en ami sur mon compte personnel, mais sachez que je vais pas le faire pour tout le monde. Voilà, c'est parce que ouais, c'est personnel, ouais, c'est mon petit coin à moi que normalement je n'ai pas le droit d'approcher. Mais pour le peu de personnes que j'ai acceptées, pour le coup, je vois vos partages en fait. Donc je pense que certains, si vous me suivez toujours, vous allez vous reconnaître, hein, je vois vos partages. Et franchement, ça me fait énormément plaisir. Donc j'aimerais bien sûr, que les partages se fassent de plus en plus nombreux. C'est le but, hein, de comment se faire connaître sur YouTube. C'est très simple. Il suffit juste. Il suffit pas forcément non plus de faire une vidéo pourrie, avec un son pourri, avec une image pourrie, etc. Non, bien sûr, si un contenu, il faut que ça soit un contenu qui vous plaise déjà. Une fois que vous avez fait un contenu qui vous plaît à vous, ça va. Il y a de grandes chances que ça plaise. Il y a de grandes chances que ça plaise à d'autres personnes, donc ces personnes-là vont apprécier. S'ils ont envie de le partager, ils vont le partager. Puis au fur et à mesure du temps, ça va être partagé par plusieurs personnes, voire même des fois, t'as une personne qui, vous avez une personne qui va partager une vidéo. Cette personne-là va partager cette vidéo-là aussi. Et puis au fur et à mesure, ça va faire un peu un effet domino. Donc au bout d'un moment, on va arriver à avoir un nombre de partages. Un nombre de partages assez important sur la même vidéo, même si par exemple moi si je vais voir mes analytics sur certaines de mes vidéos, je vais avoir que 2 partages, mais en réalité ce que YouTube peut pas voir, c'est les doubles partages. Donc une fois que la vidéo était partagée une fois, si la vidéo elle est repartagée par quelqu'un d'autre derrière, ça se voit pas. Donc voilà, ça c'est un petit peu la petite surprise. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc c'est pour ça que voilà, il y en a qui se plaignent, voilà, on grandit pas, on monte pas. Faut savoir que sur YouTube il y a
beaucoup de choses à prendre en compte. Si vous ne le faites pas, vous êtes sûr que vous grimperez pas. Mais ça sera peut-être l'objet d'une vidéo. Je vous dis pas quand, je vous dis pas où, parce que je sais pas moi-même. Donc du coup, voilà, je vais continuer dans les commentaires. Donc du coup, Tony Max, tu m'as fait coucou vraiment bien ta vidéo, un pouce bleu et très bien ce jeu. Bah pour coup, tant mieux que ça te plaise, Tony Max, parce que j'ai remarqué que tu me suis de plus en plus. Je crois même que tu regardes toutes mes vidéos, il me semble. Donc franchement, c'est vraiment cool que le contenu te plaise. Bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits couacs avec le son, avec l'image, des fois. J'ai remarqué que sur une vidéo, j'ai eu un décalage. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais après, moi, j'ai l'œil averti, donc je sais ce que j'ai fait dans la vidéo, donc je sais à quel moment ça va doit paraître, je sais à quel moment que ça va se mettre en place, donc que ça va me permettre. Donc du coup, je m'y attends en fait à voir à quel moment. Et c'est vrai que bah, moi, pour le coup, je vais voir le bug, entre guillemets, je vais voir la latence ou le bug, comme vous l'appelez comme vous voulez. Je vais le voir plus facilement que vous, parce que vous découvrez la vidéo, donc pour vous, ça paraît peut-être normal, mais en réalité, c'est tout simplement pas normal. Donc du coup, voilà. Donc du coup, on va continuer avec GK qui m'a fait super vidéo comme... continue comme ça, LCS. Bah merci à toi, GK, toi c'est pareil, pendant un moment t'étais pas là, t'étais plus présent, après je sais pas si tu l'as regardé quand même, mais tu commentais pas en tout cas. Puis bah là dernièrement j'ai remarqué que t'étais plus présent, tu regardes plus les vidéos, t'es plus présent, et ça franchement ça fait super plaisir que même les personnes qui sont là depuis que j'ai à peine 100 abonnés, vous êtes là, même si je suis qu'à 650 actuellement. Voilà, c'est ça me fait plaisir, parce que voilà, c'est pas systématiquement que des nouvelles personnes qui sont là, qui sont présentes, qui montrent qu'ils sont là. Même les anciens montrent qu'ils sont là, et franchement ça fait super super plaisir. Donc du coup on va continuer avec Uziki, tu as fait très bien la vidéo. Bah merci à toi Uziki, ça fait super plaisir. Juste une petite chose aussi les amis, donc je m'adresse à quelqu'un en particulier, je pense que tu vas te reconnaître. Évite de mettre dans les commentaires, je t'invite à venir voir ma dernière vidéo. Ça c'est considéré comme un coup de pub, donc à l'avenir, le commentaire sera supprimé, parce que j'ai vu que ça fait deux vidéos que tu le fais, voire même peut-être plus. Jusque là je disais rien, mais au bout d'un moment voilà, ça commence à être chiant d'avoir tout le temps les mêmes, ce genre de commentaires là. Si je suis pas venu voir ta chaîne, c'est qu'il y a une raison. Si je suis venu voir et que je ne suis pas abonné ou un truc comme ça, c'est qu'il y a une raison particulière. Donc en gros c'est que ça ne me plaît pas forcément. Et bah voilà quoi, c'est tout simple hein, YouTube c'est pareil hein. si vous aimez pas mon contenu les amis, c'est logique que vous serez pas là à l'heure actuelle, vous serez pas là en train de me regarder. Donc c'est pareil pour les autres hein. Vous demandez à un YouTuber de venir, tu peux venir regarder ma vidéo, tu peux venir t'abonner, tu peux me faire un raid. Voilà, c'est déjà ce genre de truc là, ça se demande pas les amis. Il faut savoir qu'on est tous curieux à un certain degré, bien sûr on est tous curieux, mais voilà, si on vous ne pouvez pas savoir si on est passé ou pas. Pour le coup, vous ne pouvez pas savoir si je suis passé ou pas. Pour le coup, je vais continuer, comme ça je ramasse ce qui traîne là-bas. Vous ne pouvez pas trop savoir si je suis passé ou pas. Donc, pour ceux qui savent que je suis passé parce que vous avez eu une notification. D'accord, ok. Alors, ça, c'était pas prévu. Je suis désolé pour le son. C'est une mise à jour à la con emportée. Pourtant, je lui ai dit de faire la mission. C'est pas grave. Donc, vous savez que je suis passé parce que je me suis abonné. Vu que je suis pas en masqué, automatiquement, vous recevez la notification d'abonnement. À moins que vous-même, vous avez désactivé les notifications comme quoi vous avez eu un nouvel abonné. Moi, généralement, moi, je ne me mets pas en masqué de toute façon. Donc, c'est comme ça que vous pouvez savoir que je suis passé ou pas. Donc on va essayer de finir de remplir la presse si on peut. Yeah ! Ah ça c'est RP. Et je suis bloqué. Oh ça va oui. Bon, je suis coincé. Hop, j'ai perdu ma souris. Voilà. Donc on va pouvoir. J'espère que j'aurai assez quand même pour. Finir de presser. Hop.
Donc du coup, voilà, donc pour les commentaires, c'était tout, hein. Donc comme je vous avais dit, il n'y en a que 4. Bon après voilà, c'est pas non plus les commentaires, j'attends pas un objectif de commentaires, mais par contre j'attends un objectif d'abonnés les amis. Donc évidemment c'est d'atteindre les 1000 le plus rapidement possible. Donc évidemment il y aura quelque chose de spécial. Je vous dis pas quoi, il y aura quelque chose de spécial le jour où je passerai les 1000 abonnés. Il va y avoir quelque chose que je n'ai jamais fait sur la chaîne, que je referai peut-être ou pas selon comment que vous avez apprécié ce thème. Donc bien sûr, bah, du coup je compte sur vous pour atteindre le plus rapidement possible les 1000. Et bah, pour le coup déjà, moi ça voudra dire que déjà je vais pouvoir mettre des pubs, déjà d'une, et de deux, bah, je vais avoir une rémunération. Donc du coup, je vais pouvoir me consacrer plus de temps sur la chaîne parce que du coup ça me fait gagner. Je vais pouvoir commencer à gagner ma vie avec. Et bah, comme ça aussi, ça va me permettre d'acheter du nouveau matériel. Tout simplement vous faire découvrir sur la chaîne. Et c'est sur ces belles paroles, les amis, que je vais vous dire à très vite pour de nouvelles aventures. Merci de me suivre. Très très fort. Salut chien.